Salut les copains, je vous fais une vidéo parce que j'ai débloqué la, je me souviens plus du nom que j'ai, de celle que j'ai, voilà, la mitrailleuse fine et très fine, donc la voilà peut-être, voilà. Alors, laissez-moi vous dire une chose, c'est que c'est une mitrailleuse. Alors, pour la débloquer, oui, il faut faire 7 fois une élimination au corps à corps avec un... Enfin, sur 7 parties différentes, plutôt, une élimination au corps à corps avec une mitrailleuse, n'importe laquelle. Donc forcément, voilà, ça met un petit peu de temps. Mais bon, moi, je l'ai débloqué assez vite. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de la débloquer en mode standard. Ne le faites pas. Si vous êtes vraiment costaud en hardcore, allez-y, mais il y a beaucoup trop de chances de se faire tuer par un partenaire. Tandis que là, bon, évidemment, faut deux coups de crosse, mais... Et encore, si vous avez la bouche démolisseur, ça peut améliorer les choses. Avec l'atout coup brutal, voilà, ça peut aussi améliorer pas mal les choses. Donc, mais je vous recommande vraiment le standard. Donc à suivre la vidéo où je l'ai débloqué, où j'ai commencé à jouer avec. Allez, hop, on y va. Donc nous voilà sur Shoothouse, comme je dis toujours. Et donc là, vous allez assister à mon dernier coup de crosse, mon dernier corps à corps avec une mitrailleuse. Donc voilà, enfin j'ai du mal, hein, parce que bien qu'ayant les atouts, tout ce qu'il faut pour courir plus vite que les autres, ils courent quand même plus vite que moi, même que j'ai mis silence de mort, peu importe, ils s'en fichent, ils courent plus vite que moi. Bon, faut dire que j'ai une mitrailleuse, et pas lui. Donc voilà, donc là j'ai décroché la mitrailleuse fine, vous l'avez vu s'afficher à l'écran. Et donc là je vais m'en équiper, dès que ça sera passé, voilà. Donc là je m'équipe de la mitrailleuse fine. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc là, elle est évidemment sans accessoires, sans rien, toute nue. Donc c'est une arme qui a une cadence qui est quand même très moyenne. Hein. Elle tire vraiment pas très vite. Par contre, elle fait très mal. Alors quand vous avez un bon shoot, pas comme moi, et là on est en mode standard, 2-3 hein, balles suffisent largement à faire votre bonheur. Par contre... alors c'est pour ça, vous voyez, au jugé elle est nulle, hein, au jugé, alors pour l'instant évidemment comme je vous l'ai dit elle n'est pas équipée, donc je sais pas, peut-être qu'elle va devenir meilleure, mais là pour l'instant alors c'est ce qui me fait dire que c'est quand même une arme qui est cohérente par rapport au, qui est assez réaliste quoi, on va dire. Donc là vous allez voir mon lag, un lag monstrueux, voilà, regardez, hop, et voilà, je me retrouve derrière. Et ça m'arrive très très souvent. Oui, donc je disais, une mitrailleuse, à moins d'être Dwayne Johnson, pour la manier correctement en tir au jugé, faut y aller quoi. Et je ne suis pas Dwayne Johnson, je n'y arrive donc pas. Donc on va attendre, hein, peut-être que, vous voyez, je refais une deuxième tentative au jugé. Ça passe pas, c'est pas la peine. Mais sinon, c'est une arme qui semble valoir le coup. Vous voyez, elle casse pas trois pattes à un canard, là. Voilà. Bon, ben voilà, les copains, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu, un like, un commentaire, un partage, évidemment. Et puis, je vous dis à plus tard. Salut les copains, à bientôt.